Ce que nous venons de chanter est bien vrai. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et voici la nourriture qui nous est offerte aujourd'hui. La lecture se trouve dans la première lettre aux Corinthiens, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, pardon, au premier chapitre. Deux Corinthiens, chapitre 1, des versets 1 à 11. Cette lettre destinée à l'Église à Corinthe avait pour but d'expliquer le ministère de l'apôtre Paul, de justifier ce ministère et son autorité. Et euh, une des justifications était les souffrances par lesquelles l'apôtre Paul était passé, donc un des signes de son apostolat, les souffrances qu'il avait subies. Mais Paul présente ses souffrances à la lumière. De la consolation divine. Et donc, c'est le sujet aujourd'hui de notre prédication et de ce texte, de la consolation divine. Écoutons donc cette parole. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'Église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute la caille. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation, lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi notre consolation abonde par le Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui vous rend capable de supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, car nous le savons, comme vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Mais nous, en nous-mêmes, nous avions accepté notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et nous délivrera d'une telle mort. Oui, nous espérons qu'il nous délivrera encore, vous-même aussi nous assistant par la prière. Ainsi, plusieurs personnes auront obtenu pour nous cette grâce et plusieurs en rendront grâce à notre sujet. Prions notre Dieu. Père céleste, nous sommes à l'écoute de ta bonne parole, parole vraie, parole puissante, parole bienfaisante. Fais-nous du bien aujourd'hui par ta parole et ton Esprit Saint. Œuvre dans nos cœurs, comme tu sais si bien le faire, dans le secret de nos cœurs, par ton Esprit Saint, afin que cette parole soit reçue favorablement, accueillie, humblement, et qu'elle nous fortifie, qu'elle nous encourage. Éloigne-nous de toute distraction. Permet que nous puissions être concentrés sur ce que tu veux nous enseigner et sur la nourriture que tu as préparée pour nous. Nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, pourquoi la souffrance dans nos vies? Pourquoi? Pourquoi ai-je telle maladie? Pourquoi euh, un conflit? conjugale pourquoi mon enfant a tel problème pourquoi cette injustice pourquoi cette frustration pourquoi Dieu ne répond pas à toutes nos questions job job avait bien des récriminations il n'a reçu de Dieu aucune explication c'est job qui s'est fait bombarder de questions où étais-tu quand je fondais la terre? As-tu con considéré l'immensité de la terre? Connais-tu les lois du ciel? Et etc., etc., de multiples questions que Dieu a placées devant Job pour lui montrer sa petitesse, montrer la grandeur de Dieu, la sagesse de Dieu à conduire le monde. Et puis, Job, en est, Jacob, pardon, Joseph, je vais dire le bon, le bon nom, Joseph en Égypte. Lui, il ne savait pas non plus pourquoi. Pourquoi il avait été amené en Égypte, pourquoi il a croupi en prison, où est-ce que Dieu allait avec, avec tout ça. C'est seulement plus tard que Joseph a compris le plan de Dieu. L'apôtre Paul aussi a beaucoup souffert. Et est-ce qu'il a toujours compris? Pas toujours, non. Jésus lui avait bien annoncé qu'il devait souffrir pour son nom dès son appel, dès le chemin de Damas, mais sans toujours comprendre le pourquoi des choses. L'important, c'est que l'apôtre Paul pouvait louer Dieu, louer Dieu même à travers ses épreuves, comme il le fait ici au verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Paul pouvait bénir Dieu dans le contexte de ses afflictions nombreuses. Comment comprendre Comment comprendre Dieu ne nous explique pas tout, non Mais l'important, c'est qu'il nous donne sa consolation, c'est qu'il nous fortifie nous encourage et nous donne une espérance. Pourquoi la souffrance? Sans connaître toutes les raisons, certainement d'abord, c'est l'occasion de goûter à la consolation de Dieu. Et ensuite, la souffrance, une fois la, re la consolation reçue, est un appel à devenir soi-même porteur de cette consolation auprès d'autres qui souffrent. Écoutez les versets 3 et 4, c'est vraiment le cœur de notre prédication. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation, lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Le message aujourd'hui, donc, est le suivant. Être consolé pour pouvoir ensuite consoler. Être consolé pour pouvoir consoler. Trois parties, tout d'abord concernant Dieu, ensuite nous-mêmes et enfin les autres. Premièrement, notre Dieu est le Dieu de toute consolation. Voici comment il est. Deuxièmement, il nous console dans toutes nos afflictions. Voici ce qu'il promet pour nous. Et troisièmement, afin que nous puissions consoler ceux qui ont toutes sortes d'afflictions, voici notre mission. Premièrement, donc, notre Dieu est un Dieu de toute consolation. Oui, Paul bénit son Dieu. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a de bonnes ra bonne raisons de louer Dieu. Plus loin, il raconte l'expérience très pénible qui lui est arrivée. Verset 8. Nous ne voulons pas vous laisser ignorer, frère, au sujet de la tribulation, l'épreuve qui nous est survenue en Asie, que nous avons été accablés à l'extrême au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie, nous avions accepté notre arrêt de mort. Paul en avait vu bien d'autres, mais là, c'était au-delà de ses forces. Il était même résigné à mourir. Et voilà qu'il reçoit le secours, et voilà qu'il commence sa lettre en bénissant Dieu, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation. Voilà des titres admirables qu'il donne à notre Dieu. Le Père compatissant et le Dieu de toute consolation. Et l'apôtre parle ici par expérience. Ce n'est pas théorique. Il a goûté à la compassion de son Père céleste. Il a reçu la consolation de son Dieu. Et cette consolation a produit un effet puissant dans son être, dans son cœur, dans sa vie, à tel point qu'après la tourmente, son cœur déborde, déborde de louanges et d'adorations. Que signifie le mot consoler? Le mot consoler, en grec, signifie se tenir à côté de quelqu'un pour encourager cette personne dans sa peine, dans sa difficulté, pour fortifier aussi. Donc il y a le sens de consoler, mais aussi de consolider, de fortifier, d'encourager. Dieu est venu à nos côtés en Jésus-Christ pour nous consoler, nous encourager, nous fortifier dans nos peines même les plus grandes. Jésus a été tenté comme nous. Il a souffert beaucoup plus que nous. Il compatit. Il a souffert même pour nous. Il sait ce que nous vivons. Il connaît nos luttes. Il est passé par là. Il a souffert pour ôter la culpabilité de nos péchés et il devait souffrir à l'extrême. Par ses souffrances, nous sommes délivrés. Nous sommes pardonnés. Et alors, nos souffrances... Deviennent une occasion de recevoir sa consolation. Dans les versets 3 à 7, Paul utilise dix fois les mots consoler ou consolation. Son cœur est débordant de cette consolation qu'il a reçue d'en haut. C'est un passage vraiment saisissant. Affligé, consolé. Toutes nos afflictions, toute consolation. Nos souffrances et vos souffrances, notre consolation et votre consolation. Le message est clair. Tout enfant de Dieu affligé a la promesse d'une profonde consolation, la promesse d'un puissant encouragement. Dieu ne nous abandonne pas à nos peines et ne nous prive pas de son secours et de sa compassion. Ceux pour qui Jésus est mort reçoivent le soutien de son Esprit Saint et de sa bonne parole. Comment rechercher cette consolation En lui faisant confiance entièrement. Paul le dit au verset 9, nous avions accepté notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Pas de confiance en moi, en moi-même, mais dans l'espérance. En Dieu qui ressuscite les morts dans notre espérance de la résurrection. Au milieu des persécutions, Paul s'est abandonné à Dieu et Dieu l'a alors consolé. Pour vraiment goûter à la consolation divine, il faut cesser de compter sur ses forces, sur sa sagesse, sur soi-même. Il faut cesser de critiquer les voies de, de Dieu. Il faut lui laisser la direction de nos vies, nous abandonner à lui. Faire confiance en Dieu seul et dans l'espérance de la résurrection. Si nous résistons à la volonté de Dieu, si nous contestons sans cesse, si nous sommes toujours mécontents de lui, de ses voies, nous serons très peu disposés à recevoir sa consolation. Cette consolation est reçue par la foi, comme tout don de la grâce. La foi au Seigneur Jésus et par l'action de son esprit. Et alors, il nous donne la paix intérieure qui surpasse toute compréhension. Comment expliquer cette paix? Aucun raisonnement humain ne peut expliquer la consolation divine et la paix qu'elle procure. Comment expliquer la paix au milieu d'une souffrance? Comment expliquer les chants de louange au milieu d'une tristesse? La consolation est un miracle de la grâce. Que Dieu produit dans nos cœurs. Oui, béni soit le Père compatissant et le Dieu de toute consolation. Est-il seulement le Dieu de quelques consolations à certaines occasions? Non, il est le Dieu de toute consolation. Le mot tout est accentué ici dans notre passage à quelques reprises. La consolation vient de Dieu seul, par Jésus seul. N'en recherchons pas d'autres. Ne cherchons pas nos consolations dans le garde-manger, dans l'alcool, dans la drogue, dans la pornographie, dans les loisirs, dans le travail incessant, dans les techniques de méditation ou que sais-je. Tous ces moyens essaient de nous faire oublier nos souffrances sans jamais y arriver. Déception, amère, sans consolation véritable. La seule vraie consolation est celle qui nous est offerte par le Seigneur Jésus. Il nous la donne par sa parole et par son Esprit Saint. Recevons-la par la foi, en lui faisant confiance dans nos difficultés. Béni soit le Père compatissant et le Dieu de toute consolation. Souvent, quand nous souffrons, nous avons tendance à être mécontents ou à nous éloigner ou à bouder, peu disposés à adorer Dieu. Et pourtant, quand nous souffrons, c'est l'occasion de recevoir sa consolation, justement, de la rechercher. Ça devrait nous motiver à venir ensemble adorer Dieu, bénir le Dieu de toute consolation. Nous arrive-t-il d'être moins disposés à l'adorer? Parce que nous passons par un bout difficile, alors posons-nous la question, ai-je reçu la consolation que Dieu me promet? Est-ce que je la recherche activement à travers les moyens qu'il met à ma disposition? Eh bien oui, alors nous viendrons à nouveau l'adorer, le cœur apaisé. Béni soit le Père compatissant et le Dieu de toute consolation. Deuxièmement, il nous console dans toutes nos afflictions. Premièrement, nous avons concentré notre attention sur Dieu. Maintenant, il nous console dans toutes nos afflictions. Non seulement la vraie consolation se trouve en Dieu seul, par son Fils Jésus-Christ seul, mais ce Dieu, nous dit l'apôtre au verset 4, nous console dans toutes nos afflictions. Je l'ai déjà mentionné, mais je souligne dans toutes nos afflictions. Sa consolation est-elle bonne seulement pour certaines souffrances et pas pour d'autres? Non. Dieu nous console, Dieu a une consolation pour toutes et chacune de nos afflictions. Peu importe la souffrance que nous traversons, il existe une consolation divine. Paul en sait quelque chose. Il est bien placé pour nous en parler. Au chapitre 11 de la même lettre, il dresse une liste impressionnante des épreuves qu'il a traversées, qu'il a subies. Les travaux, les emprisonnements, les coups, souvent en danger de mort. Cinq fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins un. Probablement moins un pour être sûr qu'il n'aille pas au-delà des 40 coups. Trois fois j'ai été battu de verge, une fois j'ai été lapidé, trois fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, l'abîme de l'océan. Chaque fois, Paul a été consolé, chaque fois. Et il continue, souvent en voyage, exposé aux dangers des fleuves, aux dangers des brigands, aux dangers de la part de mes compatriotes au danger de la part des païens, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères. Pour chaque danger, il a été consolé. Et il continue encore au travail et à la peine, souvent dans les veilles, dans la faim et dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement, et sans parler du reste. Mes préoccupations, Ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises, pour chaque souci, il a été consolé. Dans quelle affliction Paul n'a-t-il pas reçu de consolation Aucune. Chaque fois qu'il a été affligé, il a reçu une consolation appropriée. Et cette consolation est offerte à tout chrétien, elle nous est offerte. Paul rassure les chrétiens de Corinthe au verset 6 et 7 de notre chapitre. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui vous, rend capable de supporter, qui vous rend capable de supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, car nous le savons, comme vous avez peur aux souffrances, vous avez peur aussi à la consolation. Eux aussi peuvent être consolés de la même consolation. C'est certain, les chrétiens de Corinthe pouvaient recevoir ces mêmes consolations que Paul avait reçues. Et les chrétiens d'aujourd'hui peuvent recevoir encore les mêmes. Pourquoi? Parce que nous sommes branchés à la même source. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est aussi notre Père céleste, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation. Peut-être vous direz oui, cette liste d'afflictions de Paul est impressionnante, mais dans toute cette liste de souffrances, je ne trouve pas celle que moi je souffre en ce moment. Dieu a-t-il vraiment une consolation pour moi dans ma situation particulière? Il nous arrive même de penser, ma douleur est pire que toute. C'est comme si on absolutise notre souffrance, je ne pourrai jamais trouver d'apaisement. C'est vrai. C'est vrai que Paul n'a pas souffert toutes les gammes de nos souffrances. Il en existe d'autres encore. Des problèmes de santé, des tensions conjugales, le stress de la vie moderne, etc. Il y a des choses, des épreuves que Paul n'a pas nécessairement subies. Mais dites-moi, pour quelle souffrance Dieu n'a-t-il pas de consolation en réserve? À quelle douleur Jésus ne peut-il pas compatir? Lui qui a souffert tellement plus que nous, Lui qui a souffert pour nous, pour notre délivrance. Voici donc la promesse. Le Dieu de toute consolation nous console dans toutes nos afflictions, sans exception. Recherchons-la, demandons-la, recevons-la par la foi, afin de bénir Dieu encore. Ce qui nous amène troisièmement à notre mission afin que nous puissions consoler ceux qui ont toutes sortes d'afflictions pourquoi dieu permet-il que je souffre quand nous nous mettons à réfléchir à cette question souvent nous tombons dans le piège de nous retourner vers nous-mêmes de ne penser qu'à nous-mêmes nous nous appuyons sur nous-mêmes et nous nous apitoyons alors sur nous-mêmes, pauvres de moi. Et nous nous demandons, qu'est-ce que cette souffrance pourrait bien m'apporter à moi Je ne la comprends pas et je, ça n'a pas de sens. C'est vrai qu'à travers la souffrance, Dieu peut nous procurer des bienfaits personnels. Il peut nous faire traverser des épreuves pour notre bien. Dieu nous purifie, nous fortifie, nous rapproche de lui. Mais il n'y a pas que nous dans la vie. La consolation que Dieu nous procure n'est pas seulement pour nous-mêmes, pour notre bien personnel. Avez-vous déjà pensé que vos souffrances pourraient et pourront servir à d'autres personnes qui souffrent Non pas tellement ou non pas seulement vos souffrances, mais la consolation que vous recevrez au milieu de vos souffrances. Paul nous dit au verset 4 que le Dieu de toute consolation nous console dans toutes nos souffrances afin que, il y a un but ici, afin que, par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Et voilà, transmettons la consolation en quelque sorte. C'est la consolation divine, mais qui passe par notre expérience. Pourquoi les souffrances de Paul? Afin que la consolation que lui a reçue puisse l'aider à consoler d'autres qui souffraient par le même message avec le même Jésus-Christ. Voyez, Paul a beaucoup réfléchi à sa vie de souffrance. Le Seigneur lui a montré que ses souffrances avaient pour but, entre autres, le bien des autres. Verset 6. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui vous rend capable de supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Ces souffrances et ces consolations avaient pour but la consolation de ses frères et sœurs en Jésus-Christ qui souffraient eux aussi. Bien sûr, nous ne sommes pas l'apôtre Paul. Nous n'avons pas souffert toutes les afflictions qu'il a endurées. Nous n'avons pas reçu la même mission que lui d'encourager toutes les églises de l'Empire romain. Quelle tâche incroyable il avait. Mais nous avons le même Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, la même foi qui nous unit, la même connaissance du Père compatissant et du Dieu de toute consolation. Quand nous souffrons dieu nous console nous aussi et quand dieu nous console nous devenons à notre tour des agents de consolation les agents de consolation être consolé afin de pouvoir consoler si vous avez déjà été consolé par dieu dans vos souffrances et certainement vous l'avez déjà été eh bien, vous êtes capable d'en consoler d'autres avec la vraie consolation du Christ. C'est même devenu votre mission. On ne peut pas seulement recevoir et recevoir les consolations de Dieu pour soi-même et pour son bien-être personnel et emmagasiner ces consolations sans que, sans que ça déborde. Ça doit déborder vers les autres, être consolé pour aller consoler. Quand nous souffrons, sommes-nous prêts à recevoir humblement la consolation d'un frère ou d'une sœur dans la foi Ça va dans les deux sens aussi, hein. Être prêt à recevoir, prêt à donner la consolation, mais ça implique qu'il y en a qui la reçoivent. Parfois, nous entendons ce genre de remarques. « "Tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas comprendre mes difficultés, ma souffrance. Tu n'es pas passé par là, tu n'as pas idée vraiment." Tu ne peux pas m'aider. Eh bien, attention, une telle attitude nous coupe les uns des autres. Elle nous coupe de la communion fraternelle dans l'Église. Elle nous dit, je ne veux pas recevoir tes consolations, en fait. Elle nous garde isolés dans nos problèmes personnels. Est-il vrai que pour aider quelqu'un qui souffre, il faut nécessairement avoir passé par exactement la même souffrance? Non. Si un chrétien avait osé dire à l'apôtre Paul, toi, Paul, tu n'as jamais eu les problèmes que moi j'ai eu, conflit conjugal, ou tu n'as jamais eu les euh, problèmes avec les enfants comme moi j'en ai, ou tu n'as jamais souffert d'un cancer ou d'une autre maladie ou d'un autre problème, un stress moderne, tu ne peux pas m'aider, Paul. Qu'est-ce que Paul aurait répondu, pensez-vous? Exactement ce qu'il répond ici au verset 4. Lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler. Consoler qui Ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Donc, Dieu nous console dans toute affliction pour qu'on puisse aider ceux qui ont toutes sortes d'afflictions. Ce n'est pas nécessairement les mêmes, mais c'est la même consolation, afin que nous puissions consoler. Toutes sortes d'afflictions. Paul n'avait pas besoin d'avoir été affligé de toutes les afflictions possibles et imaginables pour pouvoir aider les autres. Il en avait eu bien assez déjà. On ne peut pas passer par toutes les souffrances et toutes les afflictions possibles et imaginables dans le monde. C'est impossible. Paul avait souffert et chaque fois, il avait reçu la consolation de Dieu et c'était suffisant. Soyons donc prêts, la porte ouverte, à recevoir la consolation d'un frère ou d'une sœur, même si cette personne n'a pas traversé exactement la même épreuve que nous. Et à l'inverse, soyons prêts aussi à offrir notre consolation, même si on n'a pas tout le bagage de toutes les expériences de cette personne. Pourvu que la personne qui vient consoler connaisse le Dieu de toute consolation. Pourvu que Dieu l'ait déjà consolé. Pourquoi est-ce que je dois souffrir? Parce qu'il y a dans l'Église d'autres personnes et à l'extérieur aussi dans l'Église d'autres personnes qui vivent aussi des difficultés et qui ont besoin de mon aide, qui ont besoin de votre aide. Dans votre souffrance, Dieu vous promet sa consolation pour ensuite que vous soyez capable d'aider une autre personne, puis une autre personne. Quand on souffre, il est facile de se refermer sur soi-même en attendant que les choses aillent mieux. Notre souffrance devient alors une excuse pour rester isolé des autres. Ça se comprend, mais c'est malsain. Non seulement nous perdons l'occasion d'être aidé par les autres, ce qui est très important, et en plus, nous perdons l'occasion d'être à notre tour utilisés par Dieu pour en consoler d'autres. Nous ne pouvons pas tous devenir pasteurs, missionnaires, anciens ou diacres, mais nous pouvons tous devenir des consolateurs. Certains ont le don plus marqué de la consolation, mais tous nous sommes appelés à devenir des consolateurs. Avons-nous besoin? D'une formation spécialisée en théologie ou en consoling, non. On peut trouver des formations pour nous aider, mais ce n'est pas nécessaire. Avons-nous besoin d'un don spécial? Non plus. Nous avons besoin d'être à l'école de Dieu. Que nous faut-il pour consoler une personne qui souffre? Avoir connu la souffrance nous-mêmes et avoir reçu la consolation de Dieu. C'est tout. C'est suffisant. Nous pouvons tous consoler les autres, alors. Et pour ce qui est de trouver des cœurs brisés, des gens qui souffrent, eh bien là, il y en a des gens qui ont besoin d'être consolés, pas besoin de chercher bien loin. Il y en a plein autour de nous qui souffrent des malades, des personnes seules, des gens dépressifs, des personnes handicapées, des foyers brisés, des détresses de toutes sortes. La liste est longue. Il suffit d'ouvrir les yeux, d'ouvrir notre cœur. Alors, que veut dire le mot consoler, consolation? Il veut dire se tenir à côté de quelqu'un pour l'encourager dans sa peine. Pas besoin de grands mots savants ou de phrases toutes bien tournées. Il suffit d'être à côté, écouter quelqu'un qui pleure compatir avec lui, avec elle, lui lire un verset de la Bible qui nous a déjà encouragés, prier avec la personne, être à côté, humblement, simplement. Êtes-vous des agents de consolation dans votre entourage? Jésus-Christ a donné sa vie pour ses brebis. Il a souffert jusqu'à la croix pour nous pardonner tous nos péchés. Il est ressuscité victorieux. Il est libéré aujourd'hui de toute souffrance. Il est monté au ciel dans la gloire et dans la joie parfaite de son Père. Il nous donne son Esprit Saint, consolateur, pour nous consoler dans toutes nos souffrances, mais aussi pour faire de nous des consolateurs auprès des autres qui souffrent. Connaissez-vous la souffrance? Alors, venez au Père Céleste par Jésus-Christ pour recevoir sa consolation. Connaissez-vous sa consolation? Alors, levez-vous et allez vers votre, vers votre frère, votre sœur, qui souffre pour lui offrir la même consolation. Et alors, tous ensemble, en Église, nous viendrons adorer Dieu en lui disant Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation. Amen.